Jeudi, dimanche 20 octobre 2024, mesdames, messieurs, dernière mise à jour dans le programme humanitaire Parola. Nous avons de très bonnes nouvelles pour les gens qui étaient appliqués en 2023. Les gens qui ont plus passé 90 jours captant l'autorisation. USCIS ensemble avec DHS sorti une note là qui est extrêmement important pour chaque bénéficiaire ou chaque sponsor. Tu as supposé prendre 100 yo, actant yo, puis regarder étant des vidéos ça, des commencements arrivés dans fin. Une façon pour nous pas rater rien comme information que nous allons partager ensemble avec vous en dedans vidéo ça. Mais avant que nous rentrions dans tout détail yo, n'a pas un petit temps tout court pour nous saluer chaque grand monde, fanatique famille et amis qui toujours encourage nous, qui toujours regarder vidéo nous yo. Si que vous êtes habitué à regarder nous, ou bien vous rencontrez nous pour la première fois, ou pour vous abonner, m'a encouragé à faire ça. Abonnez ensemble avec la plateforme. Remets vidéo, c'est la meilleure et unique façon capable d'encourager. Nous avons un petit bouton qui fait un petit pouce, cliquez sur lui une seule fois, posez question pour l'espace commentaire. Et m'a encouragé à regarder la vidéo pour partager sur tout groupe et sur toute plateforme. Ba yon famille, ba yon zami, ba tout le monde qui vous connaît. Pour plus de monde capable de bénéficier. Jacques nous dit nous avons plusieurs informations très importantes que nous allons partager ensemble avec vous. Dans le programme humanitaire Parola, mesdames, messieurs, dernière mise à jour. 20 octobre 2024, là, jeudi dimanche, là, de USCIS concernant le programme humanitaire Parola. Et moun 2023, et moun capitaine de vol autorisation, prend sans nous. Pour nous regarder vidéo ça, nous avons une information très importante que nous allons partager ensemble avec vous. Nous allons dire pour notre ça, mesdames, messieurs, moi je crois que en pile dans monde là qui a été tout problème, dernière mise à jour ça, le dimanche 20 octobre 2024 là et après n'a pas porter information pour monde 2023 avec monde travel. Programme humanitaire Parola Biden continue à fonctionner, mais quantité moun yo approuvé chaque mois yo vient réduit. Ça c'est un changement important parce que yo te comprend une quantité piro moun dans temps avant yo, mais avec dernier changement ça yo quantité moun yo approuvé kounya c'est une quantité pipiti. Tendez bien. USCIS et DHS fait plus d'efforts pour détecter et éliminer fraude. Application passée en bas révision PCV pour assurer que tout dossier conforme à critères. Comme le programme a évolué, conditions ont changé, ce qui a affecté la quantité de monde qui a joint approbation. Avec une augmentation de la quantité d'applicants, c'est un défi pour USCIS et DHS pour traiter tout dossier dans une façon qui est efficace sans ne pas négliger vérification et sécurité. Moun qui appliquent en 2023 doivent continuer à suivre l'application sur le site myUSCIS. Malgré que le processus prend plus de temps, il y a toujours possibilité pour joindre approbation si tout document est correct. USCIS et DHS offrent des ressources qui sont disponibles pour les gens qui ont besoin de plus d'informations sur les statuts. Mesdames, Messieurs, dans la dernière mise à jour que USCIS fait, qui est extrêmement important pour les gens en 2023, fait que nous comptons. Les gens tu vas avoir l'autorisation ou depuis plus passer 3 mois. On va laisser ça pour nous et puis n'a comprendre sponsor noir qui ça lui supposé faire. Ça qui va arriver moun qui gagne plus passer 90 jours captant autorisation voyage. Moun qui gagne 5 6 7 mois prend ça nous pour nous tendre. Et les gens qui appliquent en 2023, ils prennent sans nous entendre ça que nous parlons pour nous là. Malgré que CBP1 établit une limite de 90 jours pour le processus d'autorisation voyage, gen an pile applicant qui rapporte que yo attend plus passer 90 jours sans pas recevoir réponse. D'après information qui disponible, USCIS ka prend l'autre considération pour applicant qui dans situation ça parce que yo gen droit et yon évaluation qui juste et spécialement si application yo pas gen aucun lien avec fraude. Mesdames, messieurs, tout sponsor qui connaît que yo pas dans fraude, bénéficiaire yo gen plus passé 90 jours, y a tant autorisation voyage yo pas joindre, jouet là c'est dans main nous lié, ballon c'est dans pied nous lié, c'est contacter CBP1 USCIS pour nous faire connaître que nous pas dans fraude. Mais nombre de temps bénéficiaire nous gagne la tante trois li pas jamais joindre. Et en plus encore si moun nan joindre trois vol nous pas dans fraude, yo fin bali yo bali n'a autorisé après ballon c'est toujours dans pied non lié avant même li expiré pour nous contacter CBP1 avec USCIS pour nous dire décision que yo prend, yo mal prendre parce que ou pas dans fraude bénéficiaire là si je fais une autorisation voyage, il retire l'autorisation voyage à la main pour ouvrir le dossier à vous. Extrêmement important. Si vous attendez plus de 90 jours, il est recommandé pour contacter USCIS pour vérifier le statut d'application. Restez informé sur tout changement qu'a fait. Ça, c'est pour sponsor. Extrêmement important pour sponsor faire ça parce que bénéficier, c'est seul moyen qui est capable de bénéficier dans programme nan si sponsor yo rete toujours positif et fait ça que USCIS ensemble avec DHS mandé pour faire. Maintenant mesdames messieurs, moun qui était appliqué en 2023 yo, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet jusqu'à décembre, tendez ça m'bral dire là. USCIS gen yel esprit connecté ensemble avec application qui était remplie en 2023 yo. Malgré les derniers jours ça là, nous capable remarquer que en plus monde cap confirmer dans petit grain cap confirmer yo, c'est monde 2024 qui yo y. Gagné 2023 tout, mais 2024 yo plus. Tendez bien. Extrêmement important pour sponsor yo jouer rôle ça. On va aller pour nous. Bénéficiaires qui étaient appliqués dans l'année 2023 yo gen avantage parce que yo ka toujours joindre réponse dans application yo. Bénéficiaires qui étaient appliqués dans l'année 2023 yo gen avantage parce que yo ka toujours joindre réponse dans application yo. Et USCIS a fait effort pour traiter toute application yo dans bon froid. USCIS a fait effort pour traiter toute application 2023 dans bon foi. Exactement, sponsor qui connaît, qui n'a jamais fait mise à jour sur l'application depuis le programme a commencé. Ou t'es inscrit pour mon nom depuis 6, 7, 8, 9 jusqu'à décembre 2023. Janvier 2023, d'ici janvier, ou font application. Ou pas jamais faire update sur lui, ou pas jamais contacter USCIS, ou pas jamais demander pour vérifier de cela pour ensemble avec ou pour est-ce que tout bagay correct, ou pas jamais connaître est-ce que pas gain document additionnel que vous êtes supposé ajouter ou attendre réponse. Extrêmement important, USCIS fait connaître que il a fait effort pour traiter toute application 2023 dans bon foi. Ça pour sponsor fait c'était positif pendant y a continué faire mise à jour sur toute application yo parce que en pile application qui la captant depuis en janvier ou pour une réponse c'est parce que gen dossier qui manque application gen erreur la donne c'est ça qui fait l'important sous c'est un sponsor qui pas gen connaissance en matière ou capable contacter un monde qui travaille dans le domaine immigration pour aider ou avec dossier bénéficiaire ou cap extrêmement bon pour les cap bail une chance en plus pour capable bénéficier des avantages ça que moi qualifié si que dans avantage ça yo bail là yon haïtien qui te dans système nan sponsor a inscrit pour lui pas jeune possibilité mon janvier février mars 2023 yo c'est une grosse opportunité pour les gens qui bénéficient dans le programme humanitaire Parola. Je crois que chaque monde qui attend de nous comprendre moins et nous fait exactement ça que nous supposons faire, spécialement sponsor yo, tout applicant yo 2023 yo, il y a travail d'arrache-pied sous dossier ça yo pour capable voir comment capable bailler une réponse avec tout le monde ça yo dans bon foi. Donc une réponse qui logique avec ça que sponsor a te mette, s'il te mette application document pour nous trouver une réponse positive, tout on a une confirmation yo, mais si application yo y a tant document additionnel yo pas jamais mette yo, y a tant réponse mais sponsor pour capable faire à jour update sur que ça pas jamais faire, tout monde ça pas une question pas confirmée. Merci avec nous toutes et nos chaque gagne fanatique femme et amis qui te prêtent écoute nous pour nous regarder vidéo ça de commencement à la fin. Bye bye, à la prochaine, nous revoyons dans l'autre vidéo encore.